L'hiver, la neige donne une nouvelle dimension à la région et aux stations. Petit à petit, tout s'anime. Les pistes se damnent et se préparent à vous recevoir pour votre plus grand plaisir. Plus de 55 km de pistes de descente, de la verte à la noire, exposées au sud et au nord, pour une meilleure poudreuse. C'est 55 km de vrai ski, de vraie glisse. L'Alpe du Grand Cerf, station à taille humaine, c'est 27 canons à neige, 3 télésièges et 12 téléskis pour votre plus grand bonheur. C'est tout, sauf la monotonie. Vos traces débutent dans de hauts pâturages et traversent au cours de votre descente des massifs forestiers colorés de mélèzes et d'épicéas. 20 km de pistes de ski de fond se déroulent autour de la station pour les amoureux de la glisse nature. Si votre esprit d'aventurier vous pousse à l'exploration en ski de randonnée, sachez que les massifs du Taillefer, 2857 mètres, et du Tabor, 2389 mètres, sont très prisés et envoûtent plus d'un pratiquant. Au total, 20 km de piste pour les fondeurs. Vos enfants ne sont pas oubliés. Une halte garderie les accueille à partir de 6 mois jusqu'à 6 ans. Et les plus petits pourront savourer les joies du ski sur les télébabies. Le tout sous l'œil vigilant des moniteurs. Au col d'Ornon, 4 remontées mécaniques, 25 km de piste. Pistes d'hiver et d'été pour le skating. Station familiale s'il en est, pas de foule, juste la nature, la montagne et vous. Et à part le ski, que faire? Pratiquer la luge, assister au spectacle pyrotechnique et faire de longues balades en raquette. Participer aux animations permanentes, c'est si simple et si bon. Mais en s'éloignant un peu, la nature offre ce qu'elle a de plus beau, de plus rare et de plus insaisissable, son infinie richesse. Sommet enneigé, bonheur des couleurs de l'hiver, campagne sous un blanc manteau neigeux ou ruisseau paisible pris dans les glaces. Ici, la diversité triomphe toujours. Village perché, ferme d'antan, architecture régionale.